Donc, on va définir ici un fond à notre page. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de venir définir le fond. Donc, avec mon menu contextuel dans mon navigateur de page, définir le fond. Et je peux avoir le pot de peinture. Donc, je peux avoir des dégradés de deux différentes couleurs. Je peux aussi choisir, par exemple, de l'avoir sous forme de cercle, rouge et mauve. Donc, les deux différentes couleurs. Donc ici, j'ai mauve et noir et bleu, mauve et bleu. Donc ici, j'ai bleu et bourgogne en forme de cercle. Je pourrais aussi mettre une image, une capture de bureau. Donc, je vais appliquer. Donc, je vois vraiment mon cercle bleu, bleu et rouge. Donc, comme fond. Je peux maintenant ajouter une nouvelle page ici. Ce que je vais faire, je vais venir ici définir mon fond. Donc deux couleurs, celle-ci bleu et jaune, et je vais lui dire appliquer. Donc vraiment, je peux définir mes fonds de cette façon-ci, mes arrière-plans de page.